c'est même un changement de paradigme, parce qu'en fait, on est en train de passer de l'informatique programmée, les logiciels qu'on utilise depuis toujours, à l'informatique entraînée. Et ce que ça veut dire, c'est qu'on va pouvoir entraîner des machines à réaliser n'importe quel type de tâche, dans tous les domaines, que ce soit dans le droit, dans la banque, dans la médecine, on va pouvoir le faire absolument partout. Et très vite, en fait, on va être équipés tous d'un assistant intelligent qui va remplacer nos smartphones et qui va être notre majordome digital et qui va nous accompagner dans tout ce qu'on fait dans nos vies. Ah oui, non seulement elle va changer nos vies, mais elle va changer aussi toute l'organisation de nos sociétés. On va avoir de l'intelligence artificielle absolument partout, comme on a de l'électricité aujourd'hui. Elle va nous aider à libérer du temps dans tout ce qu'on fait. Elle va optimiser nos interactions les uns avec les autres, avec les organisations, entre nous. Et surtout, elle va faciliter notre accès à la connaissance. Ça va changer absolument tout pour les entreprises. D'abord, elles vont mettre de l'intelligence artificielle partout. Ça va optimiser leurs processus, réduire leurs coûts, les rendre plus productifs, etc. Mais ça va changer leur business. Certains business vont disparaître. Donc, ça ne sert à rien de mettre de l'intelligence artificielle dedans. Et surtout, toutes les entreprises vont mettre de l'intelligence artificielle. Donc, ce ne sera pas un facteur différenciant. Une fois qu'elles auront mis de l'intelligence artificielle partout, il faudra trouver autre chose pour créer de la valeur.